deuxième temps, mais... Compte tenu de la situation éloignée de cet événement, la Croix-Rouge française, au niveau de la métropole, privilégie l'appel aux dons financiers plutôt que la collecte de produits, de vêtements ou de moyens, puisque nous, derrière, nous avons des frais d'acheminement et les pouvoirs publics ne vont pas forcément faire venir des moyens de métropole, mais s'appuyer effectivement davantage sur les ressources locales, puisque la Martinique dispose de moyens et pourrait, par exemple, venir en aide aux sinistrés de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Nous sommes, au niveau de la Haute-Savoie, quatre conseillers techniques nationaux, et le siège, la Croix-Rouge, a demandé nos disponibilités pour pouvoir, le cas échéant, dans le mois qui arrive, nous déployer sur le terrain sur des périodes d'une semaine. Il faut savoir qu'actuellement, nous avons quatre conseillers techniques nationaux qui sont sur le terrain, deux qui ont été envoyés en précurseur avant la tempête et deux avec l'avion de la ministre des Outre-mer en complément des moyens sapeurs-pompiers et médicaux qui ont été envoyés à cette occasion.